c'est Audrey Toutou. Bonjour à tous. Voilà qui tord le cou à toutes les idées reçues. La télérépondeur Marc-Antoine Lebrun, Anaïs Petit. Bonjour Jean-Marc, salut Patro, c'est Benji, Benjamin Castaldi. Alors, je suis coco. Ben, je suis content, hein, parce qu'il y a la nouvelle saison de Secret Story qui arrive et on vous a concocté des super secrets. Alors, je ne peux pas vous raconter, il y a vraiment des trucs de malade. Hein. C'est vraiment fort ce qu'on a trouvé cette année. J'espère que l'info ne va pas transpirer, hein, parce qu'il y en a même un. Hein, son secret, c'est qu'il a été élevé par des loups de 3 mois à 4 ans. Il y en a une autre qui est la fille légitime de Michael Jackson et de Shalane Doherty de Beverly Hills. Ouh, ça va être une super saison. Ouh, le don, tac, tac, boum, boum, mes hommages, mesdames. Hélicoptère, je fais bien Polnareff. Bonjour, c'est Laurence Boccolini. Je vous propose une nouvelle version de mon jeu Money Drop pour l'ancrer davantage dans l'actualité. Plus tôt dans la journée, des agents de sécurité ont mis 600 000 euros cash dans une mallette. Ces 600 000 euros cash vont être confiés à un candidat et il va aller les déposer en Suisse sans jamais le dire à personne. Jouons tout de suite à Casuac Drop. Alors, vous en pensez quoi, patron? Bonjour, c'est Raphaël Mesrahi. Alors, monsieur Copperman, bonjour. Déjà, je voulais commencer par prendre des nouvelles de votre femme, Coppergirl. Voilà. Copperman, Coppergirl. Ouais, c'est bon, elle a compris, Julie. Alors, en plus, on est à la bourre, Julie. Voilà, j'espère qu'elle va bien, votre femme. Hein. Et puis, bon, bah, je voulais vous dire aussi que j'avais une idée pour la roue de la fortune. Plutôt que des voitures ou des voyages, vous devriez faire gagner des dictionnaires aux candidats. Comme ça, vous pourriez appeler l'émission La Rousse de la Fortune. Voilà, bon. J'ai compris aussi. Bon, bah, au revoir, Copperfield, hein, et puis bisous à Claude Achiffer. Merci.